tous les mardis. Tous les mardis. 21h-23h, Eric Mendes retourne Radio VL. En direct dans Ça va pas être possible. Nous sommes de retour sur Radio VL avec Emery Bonnery de Secret Story. Ouais, franchement, merci beaucoup Emery d'être là. Merci à vous, bande de fous. Ça fait plaisir, merci. Et je vous rappelle qu'on peut, vous pouvez toujours nous suivre sur le hashtag CVPP ou alors le hashtag que vous avez mis en top tweet, Emeric CVPEP, voilà, ouais, que vous avez mis en top tweet. Vous pouvez également nous suivre à nous sur Twitter, l'émission ouais. C'est le Twitter, c'est CVPEP officiel. Officiel, voilà, tout attaché. Donc et, CVPEP. CVPEP, tout officiel, tout attaché. Et juste avant la pub, on se disait, enfin juste avant le son, on se disait qu'Emeric, pourquoi n'appellerait pas Leïla? Bah, ce serait sympa. Donc on s'est dit, ouais, pourquoi tu l'appellerais pas? Bah, mais si tu l'appelles, tu lui dis quoi? Bah, si déjà, si on l'appelle, je fais comme si on n'était pas à l'antenne. Ouais. On va couper le fond, etc. Parce qu'il est passé 23h. Tu veux pas lui sortir un truc de ouf, genre. Je sais pas, vous habitez ensemble? Ouais. Du genre, t'as fait un truc de ouf dans la baraque. Non, mais je vais lui dire un truc de fou, t'inquiète. Un truc de malade. Mais okay. Voilà. Je vais m'occuper de ça. Je te fais confiance. T'inquiète pas. Voilà, donc on est bien sur Radio VL. Il est 23h11. Emeric appelle tout de suite Leïla de Secret Story. On appelle. Et je vous rappelle que la valise RTL est à 4300 euros. Oui. Allô. Oui. Ouais, Hobby, ça va? Ah, bébé, salut, ça va et toi? Ouais, moyen. T'as fini? Ouais, j'étais avec des cons, on laisse tomber. Une bande de cons. Ils pourquoi? Bah, je sais pas. Ah, bah, ils m'ont poussé un petit peu à dire des conneries. Du coup, j'ai dit. Impossible. Ouais, j'ai dit quoi? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, j'ai dit des choses indiscrètes sur toi, en fait. Comment? J'ai dit des choses indiscrètes sur toi, j'aurais pas dû peut-être. J'ai fait le con. Genre? Bah. M'inquiète, chérie. Hein? Oula. Ouais. Je m'inquiète, bébé. Ouais, pourquoi? Ouais. J'ai fait le con, j'ose pas te le dire. J'ose pas te le dire. Surtout, il y avait un mec qui s'appelait Gabi, ouais. Il était relou, grave. Et il mettait la pression, etc. Et voilà. Mais tu as dit par rapport à des contrats que je pouvais pas dire? Des trucs de travail, quoi. Ouais, j'ai balancé pas mal de trucs, mais surtout des trucs. Oula. Des trucs, en fait, assez intimes. Donc j'ai déconné. Quoi? Ouais, j'ai déconné. Je rigole, j'espère. Ouais, mais j'espère que tu vas pas m'en vouloir. Hein. Mais je vais te tuer, Emeric, mais tu es fou, quoi. Ah, j'ai fait le con. Il y a mes parents qui vont. Ouais. Oh, j'ai fait le con. Non. Mais non, t'as fait une blague, bébé, t'es à l'antenne. Bonsoir Leïla, comment tu vas? Ouais, ça va. Ben ça va et toi? Non, on est en direct là sur Radio VL. Franchement, merci. Hein. Vous êtes des bons vous deux là. Ouais, non, vous ça n'a pas. B, je rigole mon amour, je rigole. Tu sais que la team MLA, elle nous a mis en top tweet là. Oui, j'ai cité. C'est énorme. Super. C'est un amour. Ah, eh ben merci beaucoup Leïla, hein. Franchement, merci beaucoup. Bah merci à vous, je vous embrasse. Ben c'est gentil et merci de ta gentillesse. Hein. Merci beaucoup. Hein. Eh. Non, mais non, c'est un plaisir, merci. Eh, bébé, je l'ai tué quand même. Non. Mais c'est vrai, il avait raison quand même, on est quand même des bandes de sacrés cons. Surtout moi. Non, plus sérieusement, Bé, j'en profite pour te dire que je t'aime et c'est un bonheur d'être avec toi au quotidien. Oh, là. Oh c'est beau. Les petits oiseaux, la colombe. Mais toi, je vais t'appeler pour le mariage, tu fais bien les... Mais frère, tu lui appelles sur la tête de ma mère, je viens en cheval. Je te jure, je viens à cheval, frère. Je vais en poney. Ah, c'est clair. Ce que tu veux. Bon, ben, on leur fera bouffer du harissa, ok? Ouais, voilà. Allez. Bah, mais merci beaucoup, Leïla. Je t'aime. Merci beaucoup, t'es un amour. Merci. Tous les mardis, 21h-23h, ça va pas être possible.